les années 90, la colère gronde parmi les agents correctionnels à travers le pays. Ils sont mécontents du syndicat qui les représente. Mais personne ne sait encore qu'une alternative existe. In the late 90s, correctional officers across the country become more and more discontent with their union. But nobody yet knows that there is an alternative. For years, myself and several other people had discussed the possibility or the wish to form our own union. But we didn't believe it was possible at that time because we didn't know that there was another union central, the CSN, outside of the Canada Labour Congress. And we believed that we couldn't separate from the Public Service Alliance of Canada. We had been treated wrongly, not only by our national union, our regional union, but also our local union at the time. When fellows needed help, the union wasn't there for them. À l'automne 98 à Montréal, Sylvain Martel a une rencontre avec un responsable de la syndicalisation à la CSN. In the autumn of 1998, Sylvain Martel meets with a CSN union organizer. J'arrive à la rencontre, puis là, ben, je rencontre Robert Lachance. Puis là, j'ai dit ça, j'ai dit, je me présente, Sylvain Martel, je suis un agent correctionnel établissement de Drummond. J'arrive de l'Ouest, puis là, ce que je conclue, c'est qu'il y a une volonté pour changer de syndicat. Puis là, il me dit, Sylvain, il faudrait qu'à part le Québec, là, en dehors du Québec, il faudrait que tu me démontres qu'il y ait une volonté de changer. Je dis, comment je dois faire pour contacter la grande majorité du monde? Fait que là, je me compose un courriel. Je dis, hey, c'est super. Fait que là, j'ai envoyé le courriel à, je pense, c'était environ à 1000 personnes, une dizaine par peine environ, puis des fois plus, pour être sûr que j'ai un bon noyau. Puis là, ça a commencé à rentrer, les réponses. Je pense que j'ai reçu plus de 800 réponses. At that point, the CSN, I think, started to take us quite a bit more seriously because they saw there was a groundswell of people that were willing to fight to get this change. And of course, you know, if you got people that are willing to fight, yeah, there's certainly going to be people there that are going to be willing to step in and try to give you a hand. Because the CSN was taking seriously the fact that we wanted to become a pan-Canadian union and we wanted to fly our own flag and be our own representatives. Une petite équipe de militants et de conseillers syndicaux travaille d'arrache-pied à jeter les bases de l'UCOSAC CSN. To establish the foundation of the movement, a small team of dedicated correctional officers joins forces with union advisors. J'ai constaté qu'il y avait tous les mêmes problèmes. Mes autres ne savaient pas sûr qu'il y avait tous les mêmes problèmes. Il y avait 52 institutions au Canada dans le temps, et chacun pensait que c'était un qu'eux autres qui avaient ces problèmes-là. Mais à force de se parler, ils ont vu que leur problème était le même dans les 51 autres institutions. Début 1999, des militants sont recrutés à travers tous les établissements au Canada pour mener une campagne de maraudage. Une majorité d'agents correctionnels doivent joindre les rangs du COSAC CSN afin de renverser l'Alliance. In early 1999, dedicated members are recruited in all the institutions across the country to organize a union raid campaign. A majority of correctional officers must join UCOSAC CSN in order to overthrow the alliance. On a réalisé que l'Ontario était à peu près à 9%. 9% d'adhésion. Là, on se disait, on a beau être à 100% au Québec, on a beau être à 70% dans les prairies, on a beau être à 50% à telle place, si l'Ontario n'atteint pas un sommet de 30-32%, on va avoir de la misère à atteindre notre but. Ontario, being our next door neighbor, I thought would be a very easy province for them to understand what was going on. I would have thought that. L'Alliance avait amené le débat sur un terrain qui était malhonnête. Je vais dire le mot exact. C'était rendu un débat de... La CSN est un syndicat de séparatistes. Le Québec, un jour, va se séparer, vos cotisations vont dans un autre pays. On avait amené le débat sur les problèmes politiques que le Québec peut avoir sur l'idéologie de l'indépendance.
Puis contrairement à l'Ouest canadien, où l'Ouest canadien, eux autres avaient adhéré sans trop de difficultés, adhéré à toutes ces idéologies-là de réunir les agents correctionnels au syndicat, là, en Ontario, on avait le problème de fond, Québec-Ontario, séparation du Québec. I know Pierre spent a lot of time here. That was part of Brenda's strategy at the time, was to get a mixture of correctional officers from across the country, including Doug Ahurst and Kevin Grabowski from the Prairies, that were leading the charge out there, and to get them into Ontario, to get the members in Ontario to understand that this just wasn't solely a movement out of Quebec. This was a movement that was coming from all the regions in Canada, all the provinces. J'étais quasiment prête à déposer une requête en accréditation vers la fin mars de l'année 99. Il faut croire que ça a été vite. Ça a été un travail colossal qu'on a fait. Mais là, le gouvernement, ils n'ont pas signé une convention collective, ils ont imposé des conditions de travail. Et à part de ça, ils ont extensionné le contrat d'un an pour nous arrêter encore plus. En faisant ça, ça a mis fin à notre campagne de maraudage, notre première. Là, c'était en mars 99, puis je peux vous dire qu'on est tous démoralisés de ça, parce que les gens sur le terrain puis partout avaient travaillé fort pour en arriver où ce qu'on est arrivé là. When the legislation came down in 99, I myself personally had decided I was going to walk away from the Correctional Service of Canada. I was going to quit. I was so frustrated with my union, and I said, well, my career is over. Moi, à l'époque, j'étais découragé, mais en même temps, je me suis dit, ben dans le fond, ça va nous permettre dans l'année qui s'en vient de travailler sur le fond. Travailler. La première campagne, on a travaillé beaucoup à dire ce que l'Alliance faisait de pas bon. Mais ce temps-là, nous, on donnerait une période de réflexion pour, au lieu de dire ce que l'Alliance fait pas bon, on va vous dire ce que nous, on a à vous offrir. On va vous dire ce que nous, on veut construire. Un an plus tard, en 2000, Brenda rassemble une équipe du tonnerre pour une nouvelle offensive. Encore une fois, ils font face à de nombreux problèmes. A year later, in 2000, Brenda assembles her dream team and attempts a second union raid. Again, they are faced with many difficulties. The second raiding period got underway, and I said this from day one, that the battleground would always be in Ontario. On va affronter des problèmes. On va les affronter. Donc on a décidé d'organiser des lignes d'information devant les établissements. L'Alliance prône que la CSN est indépendantiste. On ne cachera pas le signe CSN, on va le montrer partout. On va se mettre devant les peines, nos pancartes Nucosac CSN, nos pancartes CSN, on va dire ce qu'on est et ce qu'on veut à nos membres. On va confronter les vraies difficultés. May of 2000, we showed up to work one day and we were met coming into the institution by two managers, a correctional supervisor and the deputy warden, and informed that we had to remove everything and anything related to UCO or the CSN from our vehicles and from our persons. We were given direct order to remove these articles from our vehicle or we would be suspended for the day and sent home without pay. Mr. Grabowski and I, on principle, were going to refuse the order and fight the suspension. Technically, we were suspended without pay pending dismissal. We had a dismissal hearing approximately a week after the incident where we were suspended. We were represented by a labor lawyer hired for us by the CSN organizing department. Je me souviens encore de la première place qu'on va, c'est Walkwood. J'avais moi, Jason, Robert Finucane, puis il y avait deux, trois autres membres de l'Ontario avec nous. On s'installe, nos pancartes. Ça prend pas deux minutes. Le directeur arrive de l'établissement. Vous allez vous en dire. Non, on s'en ira pas de ça. Fait venir la police. La police arrive. Là, j'appelle Brenda. J'ai dit, Brenda, il dit, ça fait pas 10 minutes qu'on dit ça. Le directeur est devant nous autres. Puis on a la police devant nous autres. Après des semaines de campagne intensive à travers le pays, une très grande majorité d'agents correctionnels adhèrent à l'UCOSAC CSN. Des gains considérables sont réalisés même en Ontario, le membership passant de 9 à 30 %. Le 25 mai 2000, UCOSAC CSN dépose sa demande officielle en accréditation. After many weeks of intense campaigning across the country, a vast majority of correctional officers join UCOSAC CSN. Considerable gains have been made in Ontario, the membership increasing from 9 to 30%. On May 25, 2000, UCOSAC CSN files the motion to be certified. Victoire! On a demandé l'accréditation. Mais c'est mal connaître la fonction publique, c'est mal connaître
comment ça fonctionne au fédéral, parce que je vous dirais qu'après ça, on a eu à assister à la deuxième partie de la campagne, la campagne bureaucratique. La Commission des relations de travail dans la fonction publique nous impose un vote. Un vote par la Poste Canada. Fait que là, on s'en va au vote. Là, on est 2 mois à Ottawa, moi puis Brenda, justement pour s'entendre sur les personnes qui sont éligibles pour voter. Une liste est finalement établie et un vote postal est tenu plusieurs mois plus tard. Finally, a list is established and many months later, a vote by mail is held. Le syndicat est venu au monde au mois de mars 2001. We made it with, I believe, close to 70%. We came through with flying colors. And the rest is history. I switched the file over to Michel Gauthier, broke my heart. They needed somebody very, very special. And that person was Michel. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'avais près de 30 ans d'expérience comme négociateur, comme conseiller à CSM. Alors pour moi, c'était plus énormément d'expérience à transmettre à un groupe de nouveaux militants, de nouvelles militantes. On a travaillé à la préparation de tous les documents. On a aidé les militants du syndicat à bâtir, en fait, l'Assemblée générale, les documents, la Constitution, le budget, tout ce que ça comporte pour préparer une Assemblée. When you become a union in CSM, the bargaining certificate belongs to the union. So you're not incorporated with other groups. When the group of correctional officers started to prepare their bargaining package, it was the first time that they went through a consultation that permitted them to talk about anything in the collective agreement. And we prepared a document at the time that was a very important bargaining document, and where we were ready to negotiate on, I would say, any topics that the correctional officers had decided in each one of their local meetings that they wanted to see put in the negotiation package. Les négociations s'avèrent très ardues et durent pendant plusieurs années. Mais les agents correctionnels demeurent fiers, dignes et solidaires. The negotiations are arduous and last for many years. During this time, the correctional officers protest with pride, solidarity and dignity. Le régime de retraite, ça c'était l'enjeu numéro un, où comme syndicat, on a réussi à faire des gains importants, même si au début, tous nos détracteurs disaient qu'on ne pouvait jamais améliorer le régime de retraite. C'est ce qu'on a fait. On a amélioré le régime de retraite. On n'a pas obtenu tout ce qu'on cherchait, mais on a mis le pied dans la porte. Mais on a réduit l'âge de la retraite. Et maintenant, les agents correctionnels peuvent partir à la retraite après 25 ans de service sans limite d'âge. Et on a négocié pour les 4 dernières années de la convention collective une prime de départ supplémentaire pour ceux qui décidaient de partir à la retraite. Alors ça, c'est un gain majeur. Au niveau de la santé et sécurité, au niveau du salaire, on a augmenté le salaire de façon, je dirais, mirabolante. Pour briser les tabous auprès de la population, des campagnes de sensibilisation sont organisées. To raise public awareness of their working conditions, campaigns are organized and proved successful. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, sans avoir peur de se tromper, c'est qu'on a d'abord la meilleure convention collective d'agents correctionnels au Canada et une des meilleures conventions collectives d'agents correctionnels en Amérique du Nord. On a une excellente convention collective qui est trop place à l'amélioration si on n'arrête jamais. Alors à ce niveau-là, on est bien placé. Where do we stand now with all the new members that have joined us in the last 2 years, bringing new ideas and new energy to the movement? I have total confidence in the future. Thank you all. Of course, it's impossible for us to put everybody in the video, all those founding members. But you know what? We'll never forget you. Thank you.